Ce jeudi 5 janvier, Élodie Gossuin était invitée dans Sud Radio Média pour parler de la soirée qu'elle présente sur M6, les 20 chansons de l'année préférées des Français. Pendant l'émission, la Miss France a été très touchée par des messages d'auditeurs. Élodie Gossuin a été choisie par M6 pour être la maîtresse de cérémonie de l'émission Les 20 chansons de l'année préférées des Français enregistrées au Dôme de Paris. Un programme diffusé ce jeudi soir à 21h10 et que l'animatrice a présenté sur les ondes de Sud Radio face à Valérie Expert et Gilles Gansman dans Sud Radio Média. On va replonger dans des titres phares qui sont devenus mythiques, faire le lien entre les artistes d'hier et les artistes d'aujourd'hui. Ça va être plein d'émotions, mais en même temps, si est-ce un vrai divertissement, on me laisse carte blanche et la liberté d'être moi-même. Je m'éclate vraiment, a-t-elle fait savoir. Elle est restée elle-même depuis le début. Au cours de l'émission, Élodie Gossuin a reçu plusieurs messages d'auditeurs qui n'ont pas manqué de la complimenter sur sa beauté, mais aussi sur sa gentillesse. Élodie est belle au naturel, pas besoin d'artifice, vous êtes un rayon de soleil, j'adore Élodie Gossuin, toujours un plaisir d'entendre Élodie, très sympa et abordable, un vrai rayon de soleil, elle est restée elle-même depuis le début, a lu Valérie Expert. Des messages que les deux animateurs n'ont pas pour habitude de recevoir. Si est-ce rarcon et autant de compliments. D'habitude, quand les gens écrivent, si est-ce pour râler, a souligné la journaliste. Comment elle a réussi à garder les pieds sur terre après Miss France. Élodie Gossuin a été très touchée par cette vague d'affection. Ça m'émeut beaucoup. Je suis devenu en plus hypersensible. Rien que ça, j'ai les larmes qui montent parce que j'ai conscience qu'avec le temps, je me reconnais de plus en plus, notamment en voyant ma mère évoluer et mûrir et j'ai conscience que si est-ce une grande part liée à l'éducation qu'on reçoit, a-t-elle réagi. Et de poursuivre, au lendemain de Miss France, mes parents ne m'ont jamais accompagné. Et de me dire dès le lendemain, tu crois que la table, elle va se débarrasser toute seule, bouge tes fesses. Tout de suite, t'es remis dans un quotidien. Chez moi je rentre, je mets mes bottes en caoutchouc, je m'occupe de mes poules. Il y a vraiment ce truc là où je suis ancré. À lire aussi Je veux vieillir à tes côtés, Élodie Gossuin fait une belle déclaration d'amour à son mari Bertrand Lacherie.